De retour dans les vestiaires avec Jean Louis qui revient avec nous sur sa très belle prestation. Il a perdu à la décision des juges, certes, mais alors, quelle guerre tu as livrée face à Nasser Dine. Est-ce que tu peux revenir avec nous sur ce combat? Ouais. Donc, premier round, j'ai mis un peu de temps à me réveiller. Donc, il a marqué tout de suite ses points. Il a su profiter de cet avantage-là. Il a une bonne anglaise, c'est un adversaire coriace qui lâche pas, il a un mental d'acier et puis voilà. Donc au premier round c'était un peu serré, mais je me suis plus rattrapé au deuxième round, là où j'ai vraiment tout donné. J'ai pas lâché, j'ai fait des emmenés au sol, j'ai percuté et tout, mais malheureusement je me suis fait pénaliser parce que d'après ce qu'il dit l'arbitre, j'ai tenu la corde et tout. Bon, c'est des choses qui arrivent et tout. Mais bon, je suis assez déçu. Je suis beaucoup déçu, mais je dis félicitations à mon adversaire qui a fait un très bon combat. C'est un guerrier. Il n'a pas démérité. Sincèrement, il n'a pas démérité. Donc voilà. Là, je ne sais plus quoi dire. Je suis essoufflé, dégoûté. Tu n'as pas à l'être. Vraiment, tu n'as pas à l'être. Tu as fait une super prestation. Hein. Moi, je te le confirme en tout cas. En tout cas, c'est gentil. Hein. Un vrai guerrier. Hein. Je suis passé du côté, mais bon. Je vais essayer de retravailler ce que j'ai pas pu faire dans le ring, c'est-à-dire tous les côtés, mes côtés lacunes que j'ai pas pu exploiter, que je vais bosser très dur à l'entraînement, et je vais essayer de revenir beaucoup plus fort pour ramener avec une victoire. Au prochain combat. Une victoire méritée en tout cas. Et puis merci à toi pour la prestation encore de ce soir. Et à très bientôt. Merci, c'est gentil. Merci à toi. À bientôt.